Sergent Garcia, Eiffel, Rose, Jennifer ou encore Axel Red, c'est le festival de la rentrée. Il se déroulera les 6 et 7 septembre au Stade du Bois à Maurepas. Francis Costard nous présente le festival Coup d'État dans le kiosque. De bénévoles qui travaillent sur différents festivals, pas forcément dans le coin. On a des équipes qui travaillent sur la Route du Rock à Saint-Malo et puis également Beauregard à Caen. Et puis une volonté de créer et de mettre en place un festival ici, c'est l'endroit où on vit. On n'a pas forcément l'envie de faire un très gros festival. Je pense qu'il y a déjà des mastodontes qui sont pas très loin de chez nous, hein, Rock en Seine pour pas les citer. Voilà, non, on essaie de faire quelque chose au niveau local. On est sur un festival qui peut contenir à l'heure actuelle 5000 personnes au maxi par soirée. C'est déjà beaucoup à gérer. J'aurais dit oui, effectivement, mon à moi c'est joli. Et si t'en mandat, t'as charme le lit, allez vas-y. Oui, j'ai buté ma femme, mais c'est parce qu'elle m'avait vexé. On voulait à la fois mêler des artistes locaux sur une belle scène et aussi des artistes connus et reconnus nationalement. Simplement pour donner aussi un tremplin à ces jeunes groupes intéressants. Et il est clair que dès le départ, on s'est dit oui, on va faire venir des têtes d'affiche. Nous, on voulait vraiment créer un festival pour tous. Voilà, donc quand on dit festival pour tous, il faut une ligne directrice qui a un sens et qui n'a pas forcément un style bien particulier. Voilà, donc on est ouvert à tout style de musique. Chansons, etc., populaires. L'idée principale, c'était surtout, en un même lieu, amener différents publics et avec une cohérence, bien sûr, un fil rouge. Il y a des groupes à la fois locaux, comme Barrio Libre, ou également La Louise et puis Rémila, c'est des artistes en développement. Et puis des artistes un peu plus connus et reconnus comme Sergent Garcia, Eiffel, Pony Hawks. Le samedi, c'est un peu particulier, on fait une soirée 100% femmes, voilà, les femmes prennent le pouvoir sur coup d'État, avec, donc je disais, La Louise, Rémila, Rose, Jennifer et Axel Red. Sans oublier bien sûr la partie rock enfant du samedi après-midi avec le groupe Zut. Un abécédaire. Un abécédaire, c'est quoi? Un abécédaire, c'est jouer avec l'alphabet. Écoute. Du A au J, du K au U, du V au Z. A, B, C, D, Zut. Abécédaire. L'ambiance, on va dire que c'est très bon enfant, puisque comme je disais, c'est un festival ouvert pour tous. Ce qui est important, c'est de, à la fois toute la famille s'y retrouve, les différentes générations, des enfants avec par exemple le groupe Zut, et puis également des jeux, des stands de maquillage, des animations. Donc ça, c'est un après-midi, enfin c'est le samedi après-midi, c'est la partie qui est gratuite, voilà, pour tous. Et puis le soir, avec les artistes. We'll be right back.
Un nouveau sujet de la rédaction. Comment nos ancêtres calculaient-ils le temps? Et de quoi dépendait le calcul de l'heure? Au château de Versailles, Jean-Luc Delpech préfère répondre à ces interrogations par d'autres questions. Première devinette, pour quelle raison le Cadence était-il obligé tous les matins de dire « Messieurs les 8h15 » Silence dans la petite assemblée en visite. Du temps du roi soleil, l'heure est locale et pas nationale. Alors pour la cour, venue voir le souverain depuis une autre ville, il est indispensable de remettre les pendules à l'heure. Combien de fois changeait-on d'heure en France quand on allait de Strasbourg à Brest? Bon, 72 fois. Des anecdotes et des trésors cachés qui ont marqué l'histoire de l'horlogerie, le château de Versailles en regorge. La pendule sur passement est fiable au dixième de degré près pour plusieurs dizaines de siècles. D'ailleurs, cette pendule était déclarée exacte à une seconde près jusqu'au 31 décembre 9999. Un objet qui va devenir un véritable repère au XVIIIe siècle. Pour la première fois en France, il fixe l'heure officielle du royaume. Moi, je ne connaissais pas l'importance historique de l'horloge de passement, par exemple. Disons que je repars avec plus de questions que de réponses. Il faudra que j'aille regarder dans beaucoup d'ouvrages si je veux être sûr d'avoir compris la substantifique moelle de notre guide d'aujourd'hui. Médecine, diététique, sorcellerie, le cycle de conférences sur les sciences à Versailles continue jusqu'en septembre prochain. Bah oui, tout ça, vous n'y pensez jamais, c'est pour ça que j'ai créé la visite. Des dates que vous pouvez retrouver ainsi que l'ensemble de la programmation culturelle des salles cinquantinoises sur internet aux adresses qui s'affichent. Alors, bon été à tous et à très bientôt pour de nouveaux spectacles. C'est